Après, ils ont commencé à m'expliquer à quelqu'un. Au début, il n'y avait vraiment pas beaucoup de groupes qui pouvaient rentrer dans les théâtres. Et on fait partie des premiers groupes en France à pouvoir rentrer dans les théâtres et ne pas être que dans des créations ou utilisées dans des créations. Comme on a l'habitude de voir le hip-hop avec des DJ, comme on a l'habitude de voir dans les clips. Pour nous, c'était un peu de problème. Pour nous, c'était une marque de respect pour le travail. C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est pas pareil. Mais on découvre une autre façon de travailler. Et aussi, on commence à regarder les autres danses parce qu'on passe sur le même endroit que d'autres danses. Et là, on commence aussi à s'ouvrir à d'autres danses. Et à ne serait-ce que quelqu'un. Là, c'est une fois par une écriture contemporaine. Déjà, c'est quelque chose déjà, il y a toujours un métissage, il y a toujours une recherche. Parce que dans la question, on a travaillé avec des danseurs qui venaient d'autres, par exemple, l'ancienne création. On a mélangé avec du cirque, mélangé avec la danse africaine. La pièce qu'on va faire, c'est une parodie classique. Enfin, c'est de temps en temps.